Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. J'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs, mais pour Elisabeth et moi, chaque jour, on a l'impression que l'émission va trop vite et surtout que l'on découvre chaque jour des pépites toujours plus agréables. Alors, c'est déjà la dernière partie de notre émission. Demain, on travaille. Nous sommes toujours pour le moment avec notre grand patron du jour, Manuel Carcassonne, qui est le patron des éditions Stock. Et avec vous, Antoine Plantier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Sharing Cloud. Vous avez, vous, offert à vos salariés des casques de travail, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des casques pour améliorer leur bien-être. Racontez-nous. Eh bien, nous, déjà merci pour votre invitation. Nous, Sharing Cloud, on est éditeur français pour la digitalisation des espaces de travail. Et donc, on est très engagé sur, effectivement, l'amélioration de la qualité de vie au travail, pour nos clients, bien sûr, mais aussi pour nos collaborateurs. Et effectivement, la qualité audio qu'on peut avoir dans un casque, elle est déterminante quand on passe des heures en communication, en visioconférence ou au téléphone, et encore plus en ce moment en période de télétravail massif. Donc effectivement, on a fait le choix d'équiper les collaborateurs de casques Orosound, c'est les casques Tilde, qui sont des casques professionnels anti-bruit, des micro-casques, qui permettent d'avoir une très très bonne qualité d'écoute et de communication. Et je suis en train d'utiliser, là, au moment où je vous parle. Mais en tout cas, le son est parfait, on vous entend très très bien. Est-ce que c'est le confinement qui a accéléré ou qui, au minimum, a confirmé votre volonté de le faire parce que, justement, vos collaborateurs étaient en télétravail et, du coup, utilisaient peut-être des logiciels et des produits qui étaient de moins bonne qualité à leur domicile? Alors, dans le cas de Sharing Cloud, nous, on est éditeur, on était très, très habitués au télétravail déjà. Effectivement, le fait de le renforcer, ça fait que les gens passent beaucoup plus de temps en conférence en ligne. Il y a eu la convergence du confinement et du fait aussi que Orosound a sorti ce casque Tilde très récemment. Et donc, on s'est précipité pour l'essayer et voilà, on regrette pas du tout ce choix. Comment on va généraliser l'usage. Comment ont réagi vos salariés? Parce que c'est pour leur bien-être, c'est pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que nous vous avons contacté. Comment ont-ils réagi? Très bien, c'est-à-dire que même ils ont un peu râlé parce que comme le produit était en lancement, ils n'étaient pas capables de livrer tout de suite, donc on a souffert du succès plutôt qu'autre chose. Mais là, ça y est, ça est en train de rentrer dans l'ordre et en termes de disponibilité. Et puis, c'est des gens qui sont très habitués à utiliser ce type de solution, donc ils ont un niveau d'exigence extrêmement élevé et des référentiels, des benchmarks très élevés. Donc voilà, il y a eu une très très bonne réaction et on a rapidement décidé de généraliser le produit.